Bonjour à tous, bienvenue dans notre chronique 30 jours en 60 secondes. Tout d'abord, permettez-moi au nom des équipes Cushman & Wakefield de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2020. Une année 2019 qui termine en trombe avec un quatrième trimestre affichant 640 000 m² de demandes placées, marquée par quatre grandes transactions sur le croissant ouest, permettant à ce secteur de limiter son recul à 5% avec un volume global à 580 000 m². Paris reste le premier secteur d'attractivité des utilisateurs avec 900 000 m² et un recul tout de même de 15% par rapport à 2018. À tout seigneur, tout honneur, la première couronne affiche une hausse de 8%. Cette dynamique de demande entraîne une baisse de l'offre. Nous sommes aujourd'hui à 2,7 millions, soit un taux de vacance inférieur à 5%, 4,9%. Situation qui devrait vraisemblablement perdurer en 2020, puisqu'il y a uniquement 500 000 m² de disponibles en immeubles neufs et restructurés. Et sur les 1,3 millions qui devaient être livrés, déjà 50% ont été pré-commercialisés. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à notre prochaine chronique. Au revoir. We'll be right back.